أتساءل ما فائدة كل هذا؟ بالملاعب في قضاء الوقت في المراجعة والتعلم من أجل النجاح. ما علينا، اجتهدت ونجحت وبعد سهي كل الحلوة لي. نحب المسرح أيها أطفال أيها الناس. هيا ابدأ أنت تكلم، أنت والناس نحن في الاجتماع. هيا. نعم هذه فرصة، نعم فرصة لن تضيع. ونشوف الأرسال في الليل والنهار. انطلق يا قطار الحياة، فللوحوش الطارية ترهبني وللرياح العاتية ترعبني إلى الأمام. ارجع. صدق من قال عصفور في اليد خير من عشرة فوق الشجرة. سندباد مسكين. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julie Lamsirine, je suis enseignante à l'école française Odette Dupuy-Godeau à Darla. Et aujourd'hui, donc, nous accueillons tous les élèves de l'école ainsi que leurs parents pour assister à la fête de fin d'année qui clôture notre année scolaire cette année. Donc nous faisons des chants, des danses, des spectacles en français et en arabe avec notre maître d'arabe et avec tous les enseignants et toute l'équipe qui est là pour organiser cette fête du mieux possible. Voilà, nous sommes très heureux d'accueillir tous les parents et de faire notre spectacle devant les parents. Les enfants sont très heureux de le faire. Donc l'école française se situe à Darla et nous attendons aussi des enfants pour la rentrée scolaire de 2015. Donc n'hésitez pas à venir pour des renseignements, on sera là pour vous accueillir en français ou en arabe. Et on est ouvert encore jusqu'au 30 juin, donc n'hésitez pas à venir voir l'école, à venir prendre des renseignements. On sera ravis de vous montrer l'école. Et nous accueillons les élèves qui ont à partir de 3 ans, 4 ans ou 5 ans pour la rentrée de 2015. Donc bienvenue à l'école et n'hésitez pas à venir, nous serons très heureux de vous accueillir. À la classe 100. On apprend à colorier. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et on apprend à tenir le crayon. À écrire. Et on lit les syllabes. On lit des livres. On apprend à lire et on apprend à tenir le crayon et on apprend à colorier, et on apprend à lire les syllabes, et on apprend à compter. J'ai compté jusqu'au combien ? 129. J'ai compté jusqu'au 129. Oui. On peut dire votre livre. On lit des livres. On écrit des lettres. Et on écrit des lettres pour les correspondants. On reçoit beaucoup de lettres par les correspondants et on répond aux correspondants